Alors, donc, nous, toutes les deux, on est éducatrices spécialisées. Enfin, toi, t'es monitrice éducatrice. Oui. Voilà. Moi, je suis éducatrice spécialisée et instructrice de locomotion. Donc, on travaille au foyer Clémentine avec les personnes qui sont là, qui participent. Donc, ce sont des personnes qui ont un handicap soit auditif, soit visuel, et des troubles associés, et qui travaillent en ESAT. Donc, c'est un foyer d'hébergement. Alors, on appartient à une association qui s'appelle les Amis de Germenois. Est-ce que t'as loué tes bidons? Bah, nous, en fin de compte, notre travail, c'est de les accompagner au quotidien, dans tout ce qui est acte de la vie quotidienne, que ce soit au niveau de l'appartement, au niveau de l'hébergement. Ça, et puis il y a aussi l'accompagnement des dossiers administratifs. En plus, oui. Accompagnement chez le médecin, faire les courses. Il y a un peu de tout, quoi. Et on propose en parallèle des activités, soit en semaine. Ouais. L'activité là, qu'on propose actuellement, c'est bouger. Ou alors le week-end, des activités de loisirs ou sportives. Voilà. Ouais. Le sport, c'est bon pour la santé, pour toute personne, qu'elle ait un handicap ou pas. Nous, c'est des personnes qui sont assez sédentaires quand même, de par leur métier, de par leur situation, de par leur handicap, certains qui peuvent pas forcément être isolés en fait, que ce soit des personnes sourdes ou les personnes déficientes visuelles, elles sont quand même dans un certain isolement, dans le sens où elles trouvent pas forcément des clubs qui vont les accueillir facilement. Et en plus de ça, comme elles ont des troubles associés, des problèmes de compréhension parfois, un léger retard mental, bah, ça fait que dans un club qui va faire du sport de niveau adulte, ils vont pas forcément avoir leur place. Donc il y a quand même une difficulté à avoir sa place quelque part. Donc le fait que nous, on leur propose bah, des activités sportives, c'est quand même pas mal. Attention, on a différents profils de personnes, donc il y a des personnes qui gèrent ça en autonomie. Oui. La conscience du corps. Oui. Et puis aussi rencontrer d'autres personnes. Rencontrer d'autres personnes, voilà, et la valorisation aussi. Ouais. Là, en tout cas, on se rend bien compte que là, au cirque, ils voient qu'ils sont capables de faire des choses qu'ils n'ont pas l'occasion de faire concrètement dans la vie courante. Ouais. Donc, c'est vachement bien pour eux, quoi. Ouais. Du coup, là, ça fait un certain temps qu'on a l'atelier qui s'appelait avant Manger, Bouger. Où on faisait un mardi par mois, un mardi soir, on faisait un grand atelier cuisine avec plusieurs personnes. Et les autres mardis du mois, on faisait des activités sportives. On avait dans le projet d'essayer de leur faire découvrir chaque mois une activité différente, mais ça reste quand même très compliqué dans l'organisation d'aller trouver des clubs qui vont pouvoir nous accueillir juste une fois ponctuellement. Enfin, ça s'est fait un peu, on avait fait une fois de l'aviron, on avait fait de l'équitation il y a longtemps aussi. On aimerait bien refaire l'équitation. Ouais. On fait la piscine. Et la piscine, il y avait l'escalade. Il y avait l'escalade qui marchait avec un petit groupe. Oui. Voilà. Et là, les personnes ne souhaitent plus continuer l'escalade, donc du coup, on privilégie deux fois le cirque. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, je pense que nous, notre senti, on va dire oui. Mais eux, s'ils s'expriment, le mieux, c'est de leur demander directement, je pense. Ouais. Oui. Ouais, c'est une bonne idée, je pense. Oui. Merci à toi. Moi, je te dis, je suis très contente, beaucoup, vraiment, énormément contente de venir ici aussi. J'aime signer, c'est adapté, c'est bien. La relation, c'est bien. Thank you.
Oui, j'aime bien le sucre. Oui, ça t'a plu? Oui, j'ai beaucoup aimé. La première fois au cirque, moi je suis très très contente de faire le cirque. Merci. Merci.